Notre rubrique du vendredi maintenant, un lieu, une histoire ou comment découvrir ou redécouvrir les sites qui ont marqué notre région à travers les âges. Ce midi, nous allons prendre la direction de Villemur-sur-Tarn, là où était installée l'entreprise Brusson, celle qui a fabriqué les célèbres vermicelles cheveux d'ange. Julie Valin, Jacques Levé. C'est en 1872 que Jean-Marie-Élie Brusson fait construire une première usine sur la rive droite du Tarn. Très vite, le bâtiment devient trop petit. Devant le succès mondial, la famille Brusson développe un véritable empire dédié aux pâtes alimentaires, avec comme produit phare les vermicelles cheveux d'ange. Jusqu'à 5000 boîtes sortent d'usine chaque jour. Près de 700 ouvriers travaillent sur place. C'était le premier employeur du coin puisque les ouvriers étaient ramassés à Villemur et dans toute la campagne environnante, bien sûr. Et à partir de la création du chemin de fer, même beaucoup plus loin, comme Montauban ou Saint-Sulpice. Les premières difficultés apparaissent dans les années 60. Le groupe Panzani rachète Brusson en 1971. Il ne reste alors plus qu'une centaine de salariés. Après plusieurs plans sociaux, l'usine ferme définitivement ses portes en avril 2015. Georgette a travaillé toute sa vie chez Brusson. Il est grand maintenant l'atelier. Avec la chaîne, ça prenait de la place. La chaîne qui tournait, puis une autre machine qui scellait. Revenir ici est un crève-cœur. Oui, vous rendez compte, il est bien sec comme il faut et tout, mon Dieu. Il y a de jolies boucles, hein, mon... L'usine a été squattée, vandalisée, a servi un temps de lieu de tournage de téléfilms et de documentaires. Ces 2 hectares de bâtiments font partie de l'histoire de Villemur. Impossible de les raser, mais une réhabilitation coûterait très cher, près de 20 millions d'euros. Des promoteurs immobiliers se montrent intéressés. La mairie a aussi un projet culturel. Là, ça va être une salle dédiée au spectacle, à la réception, à des expositions, à faire vivre effectivement une artothèque éventuellement hein, sur les galeries supérieures qu'on peut avoir ici, hein, pour que Villemur devienne une cité, je dirais, portée par son histoire et surtout par un présent culturel très très actif. Pour rendre hommage à la dynastie Brusson, l'association locale lui consacrera cet été une grande exposition. Le nom de Brusson continue de vivre grâce aux fameux vermicelles cheveux d'ange qui sont fabriqués désormais à quelques kilomètres de là, à Bessières, par une poignée d'ouvriers seulement.